Vous êtes assis le dos droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré afin d'étirer la nuque. Rassemblez toute votre attention sur votre respiration. Respirez naturellement. Ne forcez ni l'inspiration ni l'expiration. Utilisez une méditation de respiration que vous connaissez afin de calmer l'esprit et de l'amener à un état profond de focalisation et de concentration, prêt à entrer en méditation. Développez une motivation altruiste pour cette session de méditation. Pensez que vous ne méditez pas uniquement dans votre intérêt, mais que, si vous prenez ce temps pour méditer et développer votre esprit, c'est afin de devenir une personne ayant plus de sagesse et de bienveillance, une personne ayant une plus grande capacité à être bénéfique à tous. Commencez par focaliser votre attention sur l'entrée des narines, là où l'air entre et sort quand vous respirez.
soyez attentif aux sensations très subtiles ressenties à l'inspire et à l'expire. Certaines sensations se produisent avec le passage de l'air. Les petits duvets sous le nez bougent légèrement. Sensation de fraîcheur à l'arrivée de l'air. De chaleur quand l'air est expulsé. Ne suivez pas le parcours de l'air quand il voyage à travers le corps ou quand il se répand dans l'environnement extérieur. Placez votre attention sur les sensations associées à la respiration au niveau de l'entrée des narines. Pensez que vous êtes un gardien ou une gardienne. Tout ce que vous avez à faire, c'est observer le flux de la respiration entrant et sortant du corps. Avec intensité, vous suivez tout ce qui se passe dans cette zone sur laquelle vous êtes concentré. Au début, si vous voyez que cela peut vous aider à rester concentré, vous pouvez noter mentalement « entre » à chaque inspire et « sort » à chaque expire. Utilisez la respiration pour arrimer votre attention. Si l'esprit est particulièrement éparpillé et distrait, mettez surtout l'accent sur l'aspect concentration de votre méditation, en focalisant votre esprit plus fermement sur la respiration.
Il est normal d'avoir des distractions. Votre attention pourra être distraite par une pensée, ou par des sons venant de l'extérieur, ou des sensations à l'intérieur du corps, comme des démangeaisons ou une douleur physique. Dès que vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé distraire, simplement prenez-en note. Il y a pensée ou il y a sensation. Ne soyez pas contrarié ou perturbé. Ne jugez pas. Avec beaucoup de douceur, désengagez l'esprit de la pensée ou de la distraction et ramenez votre attention à la respiration. Quand vous avez acquis un niveau de concentration et de focalisation plus profond, détendez légèrement la concentration et donnez plus d'importance à l'aspect attention ou pleine conscience de votre méditation. Cela veut dire que vous amenez votre esprit à être attentif et observateur à l'égard de tout ce qui peut être remarqué. Peu importe quoi. Ne vous identifiez pas avec ce qui surgit dans votre esprit. Observez simplement, comme un touriste. Laissez pensées, sensations ou autres se manifester et se dissoudre sous votre regard, sans vous y impliquer. Soyez simplement conscient. Une fois que vous avez acquis une certaine maîtrise de ce type de méditation, chaque fois que l'esprit s'écarte de la respiration, commencez à noter précisément comment et où il est parti. Vers des pensées ayant trait au passé ou au présent? Vers des rêveries, des projets d'avenir?
Quels sont les types de pensées qui ont tendance à attirer l'attention de l'esprit? Quelles indications cette observation peut-elle apporter sur le rôle que jouent les émotions perturbatrices dans votre vie? N'oubliez pas votre respiration. Ne la forcez pas. Observez.
tout au long de la journée. Vérifiez si oui ou non vous êtes attentif. Est-ce que vous savez toujours ce que vous faites quand vous êtes en train de faire quelque chose? La méditation n'est pas une activité isolée. Elle fait partie intégrante de notre vie. À présent, dédiez toute l'énergie positive créée pendant cette pratique de la méditation d'attention pour pouvoir progressivement devenir une personne de plus en plus bénéfique, de plus en plus en paix dans la vie et capable d'apporter aux autres plus de paix et de bien-être à chaque instant de chaque jour.